Pour notre diocèse et pour les jeunes de notre diocèse, c'est une grande journée. C'est une journée qu'on appelait Assemblée diocésaine des jeunes, et qui rentre dans le cadre du synode qui était donc demandé par Saint-Père sur les jeunes et vocations, un temps de réflexion, de travail avec les jeunes, avec notre évêque. Donc le programme était pensé avec les jeunes. Donc Monseigneur Laglaise souhaitait que les jeunes, que c'est les jeunes qui organisent cette journée. Donc l'abbé Léonard, qui est donc prêtre accompagnateur du service, et moi-même, nous avons accompagné un petit groupe qu'on appelait groupe pilote, qui ont pensé eux-mêmes la journée. Donc c'est eux qui ont travaillé, bâti et réfléchi ce qui est mieux, ce qui est plus adapté aux jeunes pour qu'une telle réflexion puisse avoir lieu. Ces journées-là, c'est le moyen de montrer que nous aussi on est présents, nous aussi on peut apporter un plus à l'Église, et que c'est en faisant des choses comme ça que bah, l'Église va bouger en général, et que ça va permettre de nous donner une plus grande place dans l'Église. Et que ça peut aussi être très intéressant de justement mixer les générations, et pas de faire un clivage d'un côté les jeunes, d'un côté les plus âgés, mais aussi de, voilà, de mixer le tout, parce qu'au fond on est tous là pour la même chose, pour notre foi, pour Dieu, et donc oui, que mixer, au final, ça peut donner quelque chose de beau. Oui, ce qui m'a marqué, c'est la diversité des projets et le fait de voir que des jeunes qui étaient avec moi au JMJ ont eu le courage de réaliser des choses dans leur paroisse, de créer des chorales ou des groupes de chants, de prières. C'est très intéressant et c'est très encourageant. Alors, le thème de l'année, Bouge ton Église, pour moi, c'est vraiment un appel, comme un appel de Jésus qui nous dit « Sors de chez toi », va dans le monde témoigner de la foi qui est la tienne. Ouais, c'est vraiment un appel à agir, à témoigner surtout en acte, pas seulement en parole, mais en acte, et de faire resplendir la beauté de la foi. Si on se met à l'écoute des jeunes, ils ont une maturité. Ils ont des choses à dire de sensées, et ils ont aussi des projets. Notre rôle d'adulte, de guide, c'est de leur permettre de mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent pour le bien de l'Église et aussi pour le bien de la société, puisqu'on a vu un certain désir d'activité dans le domaine du caritatif. Donc, une belle journée qui demande des suites. Il y a eu des projets, on a évoqué des temps de formation, des temps aussi d'échange, une chorale itinérante, voilà. Donc les projets ne manquent pas, notre rôle c'est de les soutenir pour qu'ils puissent les mettre en œuvre. Donc je leur fais confiance et je compte sur les prêtres, sur les curés, sur les laïcs qui ont des responsabilités auprès des jeunes pour vraiment soutenir ces initiatives.